Bonjour tout le monde. Alors, comme il était prévu, je pense que vous avez un petit peu tous vu mon post d'il y a à peine 1 ou 2 jours. Je comptais réaliser pour vous donc un nouveau tuto de tricot dans lequel je vais vous apprendre à tricoter des chaussettes avec 2 aiguilles, donc avec des aiguilles normales en aller-retour. Et j'ai décidé de faire ce tutoriel car je remarquais dans les commentaires qu'il y a pas mal de gens qui ont du mal à tricoter avec 3 ou 4 aiguilles, donc pour tricoter en rond. Alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué au début quand on n'a pas l'habitude et d'autres personnes y arrivent mais trouvent que c'est pas pratique. Donc j'ai décidé de faire un modèle de chaussettes qui est de ma propre conception, je le précise, hein, j'ai pas copié sur d'autres vidéos tutoriels ni quoi que ce soit. Qui va donc vous permettre de réaliser simplement et très rapidement, avec de la laine moyenne, une bonne paire de chaussettes bien chaudes. Et il y aura une couture à faire, hein, évidemment, étant donné que c'est un tricot non pas en rond mais en aller-retour. Et la couture, vous verrez, sera sur le dessus du pied. Donc en matériel, vous aurez besoin de 100 g de laine, des aiguilles droites numéro 5, donc il faut que la laine soit de la même grosseur que les aiguilles. Et il vous faudra aussi quelques marqueurs. Normalement, il vous en faudra 2, pas plus. Et pour la fin du tricot, eh bien, il vous faudra des ciseaux et une aiguille pour pouvoir faire la fameuse couture. Donc, j'ai déjà tricoté une première chaussette. Donc, voici ce que ça donne. Donc, là, c'est la vue de profil. Donc, on va utiliser, vous voyez, le point jersey. Donc, on va tricoter en côte et en jersey, en droit, en vert, en alternant, vu que c'est en aller-retour. Donc voilà, là je vous montre la première chaussette que j'ai réalisée pour que vous ayez un petit peu un aperçu. Et on va commencer du haut, donc au niveau de la cheville, en finissant par la pointe du pied, comme quand on tricote en rond, sauf que vous verrez que durant la réalisation, il y a des choses qui sont différentes des modèles précédents que je vous ai montrés. J'utilise pas tout à fait la même technique, mais en partie. Mes versions aiguille droite au lieu d'utiliser des doubles pointes et de tricoter en rond. Donc vous allez voir, c'est un modèle qui est très facile et très rapide à réaliser. Et ce qui est bien, c'est que c'est un modèle toute taille. Et à un moment donné, quand on devra relever des mailles au niveau de là, alors je vous montrerai tout à l'heure, au lieu de relever 10 mailles, pour que ça fasse un peu plus large pour les plus gros pieds, il faudra relever 2 mailles de plus de chaque côté. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Donc c'est parti! Donc dans un premier temps, nous allons monter 40 mailles. Donc moi, ce que je fais un nœud. Je pique l'aiguille dans la boucle en haut à droite. Je serre un peu. Et à partir de cette nouvelle maille, je vais monter donc toutes les autres mailles. Alors après, vous utilisez la technique que vous souhaitez. C'est pas un problème, hein. Il faut monter correctement 40 mailles, peu importe la technique. Donc là, j'ai monté 40 mailles et pour que ce soit plus facile pour moi pour faire la vidéo, j'ai préféré les mettre sur des aiguilles double pointe, mais sur lesquelles je vais tricoter en aller-retour. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez faire pareil que moi. C'est comme vous voulez en fait, hein. Vous pouvez utiliser soit les aiguilles droites ou double pointe, mais en tricotant en aller-retour. Donc avec nos 40 mailles, sur environ 11 cm, nous allons tricoter en côte 2-2. Sauf sur les 3 premières et 3 dernières mailles qui seront tricotées en jersey en droit. Toujours en côte, mais un peu plus large vu qu'il y a une maille de plus, donc 3 au lieu de 2. Donc, vous allez tricoter comme ceci. Donc, les 3 premières mailles en jersey en droit. Donc, vous commencez toujours en jersey en droit. Ensuite, 2 mailles en vert. 2 mailles en droit. Donc là, je viens de tricoter mon premier rang. Et pour savoir que vous êtes sur le côté en droit, le fil du bout, voyez, est toujours en bas à gauche. Donc ça, c'est juste un détail, mais je voulais vous le dire quand même. Et là, donc, j'ai terminé par 3 mailles en droit, comme vous pouvez le voir. Donc là, vous tournez vos aiguilles, vu que c'est en aller-retour, donc on les tourne. Et là, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc là, vous commencez par 3 mailles en vert, 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, etc. Et à chaque fois, quand vous avez fini de tricoter un rang, vous tournez vos aiguilles. Ce qui paraît logique. Donc vous tricotez en côte
sur environ 11 cm, mais si vous voulez tricoter 2-3 cm de plus pour que les chaussettes soient plus hautes, ben, ça dépend de vous. Vous faites comme vous voulez, mais 11 cm, c'est déjà bien. Je viens juste de terminer de tricoter donc mes côtes. Donc voici ce que ça donne. Voilà. Et normalement, vous devez tomber sur le côté endroit. Enfin, il faut que vous fassiez en sorte de tomber sur le côté endroit. Donc, il faut que le fil court soit en bas à gauche. Et là, c'est le fil de la pelote. Et là, maintenant, nous allons faire des augmentations de chaque côté d'une certaine manière pour que ça élargisse et que ça fasse l'inclinaison du pied. Alors, pour cela, pour bien se repérer, nous allons placer deux marqueurs. Alors le premier en comptant 13 mailles en allant vers la gauche. 3 et 3, 6, 9, 10, 11, 12 et 13. Vous placez le premier marqueur. Ensuite, le deuxième, vous allez compter 13 mailles à partir de la gauche en allant vers la droite. 3 et 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Et là, au total, nous allons faire 12 augmentations. Alors, je vous explique où vont se faire ces augmentations. Elles vont se faire sur deux rangs côté endroit uniquement et uniquement sur les sections mailles jersey envers qu'il y a ici et là. Et surtout pas au niveau d'ici entre les deux marqueurs. Les mailles qu'il y a ici, il faut les tricoter en côte normalement, sans diminution, sans augmentation. Et au total, il faudra tricoter 8 tours. Donc, vous inquiétez pas, les explications précises vont apparaître tout de suite à l'écran. Donc, je vous explique comment on fait donc les augmentations. Donc, il y en aura 3 ici et 3 là, vu qu'il y a une, deux, trois sections mailles envers de ce côté-là sur les 13 mailles, et pareil sur ces 13 mailles. Et je vous conseille de bien noter chaque rang que vous tricotez, pour pas vous tromper. Donc là je tricote normalement, donc 3 mailles en droit, et là on tombe sur la première section maille envers. Alors pour faire une augmentation, vous avez le fil là, et bien vous allez le remonter pour que ça fasse une boucle et le placer sur l'aiguille. Et vous allez tricoter cette maille, donc là on a fait notre première augmentation, par le brin arrière, donc pas comme ça parce que ça va faire un trou, pas comme ceci, mais par le brin arrière, donc le fil qui est juste derrière, si vous voyez ce que je veux dire, comme ça. Alors mince, j'ai oublié de passer le fil devant. Donc vous piquez par le brin arrière. Alors c'est pas facile. Hop, voilà, comme ça. Vous tricotez la maille. Et voilà. Vous avez tricoté votre augmentation. Et là, vous tricotez les deux autres mailles envers, ben en jersey envers. Ensuite, deux mailles en droit. Et là, pour faire la deuxième augmentation, eh bien pareil, vous allez soulever le fil qui est juste là en bas, qui crée une nouvelle maille. Donc, deuxième augmentation, et vous allez la tricoter, passer le fil devant, et vous allez le tricoter par le brin arrière. Alors, j'essaie d'y arriver. C'est moins facile à faire que si c'était en endroit. Voilà. Je tricote en envers et deux mailles envers. Je tricote deux mailles en droit. Et là, la dernière augmentation. Hop, je fais pareil, je soulève le fil, je le place là. Je passe le fil devant et je tricote par le brin arrière. En jersey envers. La maille que je viens de remonter. Et je tricote deux mailles envers. Je passe le marqueur et là, entre les deux marqueurs, il faut tricoter normalement, sans augmentation. Donc là, on vient de faire trois augmentations. Donc il faut les faire comme vous avez vu avant chaque section maille envers et tricoter l'augmentation en maille envers. Voilà. Donc là, on se retrouve donc avec 6 mailles de plus. Donc là, normalement, vous devez vous retrouver avec ben, 40 plus 6, ben,
46 mailles au total. Et là, vous tournez, vous tombez sur le côté envers. Et là, vous allez tricoter donc 3 rangs, normalement, sans diminution, sans augmentation. Et comme les mailles se présentent. Alors faites attention, parce que vu qu'on a ajouté une maille par rapport aux augmentations, donc là, sur le côté envers, vous allez devoir tricoter donc là 3 mailles envers. Et là, ensuite, vous allez devoir tricoter 3 mailles en droit. Donc faites bien attention. 2 mailles envers. Et puis 3 mailles en droit. Lorsque vous ferez les augmentations au cinquième rang, donc toujours sur chaque section maille envers, sur les 13 premières et les 13 dernières mailles, je vous conseille de faire l'augmentation après avoir tricoté une maille envers. Ne la faites pas juste avant ne les faites pas juste avant les 3 mailles envers. Vous en tricotez une et ensuite vous soulevez le fil. Vous posez la boucle et vous la tricotez par le brin arrière, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et après, vous tricotez 2 mailles envers. Donc là, vous retrouverez avec 4 mailles envers. Donc c'était juste un détail, mais voilà, pour que ça fasse un peu plus joli, moi je vous le conseille. Tricotez une maille envers. Et ensuite, vous faites l'augmentation en soulevant donc le fil qui est juste en dessous, vous voyez, que vous posez sur l'aiguille de gauche et vous tricotez par le brin arrière. Et vous tricotez 2 mailles envers. Et quand vous aurez fini ce rang, n'oubliez pas de tricoter 3 rangs supplémentaires, normalement sans diminution, sans augmentation. Donc quand vous avez fini donc vos augmentations, voici ce que ça donne, vous voyez, à l'extrémité de votre aiguille, donc de chaque côté, mais là je vous montre qu'un côté, vous voyez, ça dévie grâce aux augmentations qu'on a fait sur chaque section maille envers. Voilà, donc là on se retrouve avec 52 mailles, mais avant de continuer à tricoter et de réaliser des diminutions cette fois-ci, on va faire un rang avec 12 diminutions, dont une diminution en tricotant les deux premières mailles et les deux dernières. Et il faut répartir sur tout le rang 12 diminutions au total. Donc les marqueurs ne sont plus utiles. Vous pouvez les enlever. On en aura besoin à nouveau un petit peu plus tard. Nous allons tricoter donc 12 diminutions. Donc la première, on va les faire sur les deux premières mailles. Et après, vous les faites toutes les 2 mailles environ. Hein. Donc vous tricotez. Ah oui, et vous tricotez en jersey, pardon, j'ai oublié de préciser. Tout en jersey en droit à partir de maintenant. Deux mailles en droit, les deux mailles suivantes ensemble à l'endroit. Donc là, vous venez de faire la deuxième diminution. Deux mailles en droit. Et une troisième diminution. Donc vous tricotez 2 mailles ensemble à l'endroit pour faire une diminution. Donc là après ces 12 diminutions, on se retrouve à nouveau avec 40 mailles. Et là, vous tournez et vous tricotez donc le deuxième rang en jersey envers. Et ensuite, vous allez tricoter tous les deux tours des diminutions. Vous continuez en jersey hein, et vous faites les diminutions uniquement sur les deux premières et deux dernières mailles de tous les rangs jersey en droit, hein, donc sur le côté en droit. Donc au total, en comptant le rang qu'on vient de faire avec les 12 diminutions, je calcule 7 fois au total tous les deux tours, ce qui fera 13 tours au total. Donc les diminutions devront être réalisées sur le premier, donc on l'a déjà fait, hein, premier tour. Là on est en train de tricoter le second, donc le premier. Et ensuite le troisième, cinquième, septième,
9e, 11e et 13e, il faudra faire les diminutions donc sur les deux premières et deux dernières mailles, jersey en droit. Et vous retrouverez avec 28 mailles au final. Donc là, il reste 28 mailles après avoir fait les diminutions. Donc voici ce que ça donne. Donc là, on voit bien les augmentations et là, les diminutions de chaque côté. Et donc, après avoir tricoté, donc, c'est 13 rangs. Donc là, ça fait 13 rangs. Nous allons tricoter le 14e en faisant 2 diminutions sur les 4 premières mailles et 2 diminutions sur les 4 dernières. En tricotant en jersey envers, donc comme ceci, les deux premières mailles, vous les tricotez ensemble à l'envers, donc une diminution. Et les deux mailles suivantes, vous allez faire pareil, vous les tricotez ensemble à l'envers. Voilà. Ensuite, les autres mailles, vous les tricotez toutes à l'envers jusqu'à ce qu'il en reste 4. Et vous allez faire exactement la même chose. Ce qui fait qu'il restera 4 mailles de moins, donc vous aurez 24 mailles. Donc tant qu'à faire, je vous montre. Là, il reste 4 mailles, donc les deux suivantes, vous les tricotez ensemble à l'envers et les deux autres ensemble à l'envers. Voilà, alors j'enlève un peu de fil, hop, je déroule. Donc voilà, donc là normalement il vous reste 24 mailles, 3 3 6 9, 24, ouais, c'est bon. Donc veillez à ce que le fil soit bien à droite, hein, le fil de la pelote, hein. Donc normalement ça tombe comme ça, hein. Si ça tombe ici, ben c'est pas normal, c'est que vous avez oublié de tricoter un rang ou vous avez fait une erreur. Donc voilà, là je vous montre un petit peu un aperçu. Voilà, donc maintenant nous allons tricoter la forme du talon, et là vous allez voir que c'est la même technique que quand on tricote en rond par rapport au modèle que j'ai fait de chaussettes, des modèles drop design. Alors, nous allons faire donc des, ce qu'on appelle des surjets pour faire la forme du talon. Donc, vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il reste 8 mailles et vous allez faire un surjet. Alors, je vais vous montrer plusieurs exemples comme ça. Vous comprendrez comme il faut. Donc là, quand vous arrivez à 8 mailles sur cette aiguille, celle-ci, la suivante, vous la faites glisser et la maille suivante, vous la tricotez. Et la maille glissée, vous la faites passer par-dessus la maille tricotée. Voilà ce qu'on appelle un surjet. Ces mailles, vous les laissez en attente, vous tournez vos aiguilles et vous allez faire exactement la même chose mais sur le côté envers. Vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il reste 8 mailles et faire un surjet mais sur le côté envers. Trois, six, sept, huit. Donc je glisse la maille suivante. La maille suivante, je la tricote en jersey envers. Et la maille glissée, je la passe par-dessus la maille tricotée. Et là, pareil, je tourne les aiguilles. Et là, je fais exactement la même chose que ce que je viens de vous montrer, mais il faut enlever une maille à chaque fois. Donc là, on a tricoté jusqu'à ce qu'il reste 8 mailles, côté endroit et envers. Et là, on va faire la même chose, mais jusqu'à ce qu'il reste 7 mailles. Donc, je vous remontre une dernière fois. 3 et 3, 6, 7. Donc, la maille suivante, là, je la glisse. La maille suivante, je la tricote en endroit. Et la maille glissée, je la fais passer par-dessus la maille que j'ai glissée. La maille tricotée par-dessus la maille glissée. Et là, sur le côté envers, vous faites pareil. Vous tricotez jusqu'à ce qu'il reste 7 mailles et vous faites un surjet. Trois,
3 et 3, 6, 7 mailles. Je glisse cette maille. La maille suivante, je la tricote. La maille glissée, je la passe par-dessus la maille tricotée. Là, je tourne les aiguilles et je fais exactement la même chose. Et cette fois-ci, en tricotant jusqu'à ce qu'il reste 6 mailles. Vous voyez, on enlève une maille à chaque fois. Je viens de terminer de tricoter donc la forme du talon. Donc voici ce que ça donne, vous voyez. Là, on voit bien de chaque côté les surjets que nous avons réalisés. Et là, il reste 3, 3, 6, 9, 10 mailles, comme je vous le disais tout à l'heure. Et voici la forme que ça donne. Vous voyez? Donc là, c'est le dessus du pied. Et là, maintenant, ce que nous allons faire, sur chaque côté, en débutant par les côtes, jusqu'ici, nous allons relever 10 mailles. Et de l'autre côté, nous allons en relever 10 autres aussi. Ce qui fait qu'il y aura 30 mailles normalement. Par contre, pour les tailles de pieds assez gros, je vous conseille de relever 12 mailles de chaque côté et non 10. Notamment pour tout ce qui est taille 38, 40, 41, je vous conseille d'en relever 12 au lieu de 10. Mais normalement pour la taille jusqu'à 37, relever 10 mailles de chaque côté, c'est largement suffisant. Et pour relever des mailles, avec votre aiguille droite, je vous conseille de commencer par la gauche. Donc pour relever des mailles, je vais vous montrer comment on fait. Alors moi je fais ça sur des aiguilles double pointe, donc je commence de l'autre côté. Après je mettrai sur une aiguille droite. Alors là régulièrement vous voyez vous avez comme des nœuds, des boucles. Et bien vous relevez les mailles au niveau de ces nœuds et boucles. Vous vous arrangez pour disperser 10 mailles ou 12 mailles. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Et là, vous coupez le fil, hein, j'ai oublié de vous le dire. Donc, moi personnellement, je vais faire comme ça. Hop. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à relever sur ce côté. Maintenant, nous allons tricoter la longueur du pied. Et pour cela, pour bien mesurer la longueur du pied, vous allez placer un marqueur au niveau de l'angle du talon. Et c'est à partir de ce marqueur, comme quand on tricote en haut, en fait, que vous allez mesurer la longueur du pied. Donc pour une taille 35 jusqu'à 37, il faut que ça fasse environ 18 cm. Donc il faut tricoter au moins 22 rangs. C'est ce que moi j'ai compté pour la première chaussette. Alors, là pour tricoter, nous allons tricoter une partie en côte de 2 et une partie en jersey. Alors, les 10 premières et 10 dernières mailles, ou les 12 premières et 12 dernières mailles, ça dépend le nombre de mailles que vous avez relevées, vous allez les tricoter en côte en commençant par 2 mailles en droit. Chose que je suis en train de faire là. Deux mailles en droit, deux mailles en vert, deux mailles en droit, deux mailles en vert et deux mailles en droit. Donc là normalement ça doit faire 10. On recompte quand même au cas où. 3, 3, 6, 9, 10. Voilà. Ensuite, les 10 mailles suivantes, vous allez les tricoter en jersey en droit. Donc ça représente le dessous du pied en fait. Voilà. Ensuite, les 10 autres mailles, il faut tricoter en jersey, en commençant par 2 mailles en droit,
Si vous avez relevé 10 mailles, si vous avez relevé 12 mailles, là, il faut commencer par 2 mailles envers. Et je termine par 2 mailles en droit. Et notez bien chaque rang que vous tricotez pour pouvoir faire la seconde chaussette exactement de la même manière. Et là ensuite vous retournez et vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc là ben, je vais commencer donc par 2 mailles envers. Donc voilà, le dessus du pied en fait sera en côte et le dessous en jersey en droit. J'ai terminé de tricoter donc la longueur du pied. Donc voici ce que ça donne, hein. Je vous laisse regarder. Hein. Voilà. Et là maintenant, nous allons tricoter tout en jersey. Donc pas de côte, hein. Vous oubliez les côtes, on va tout tricoter comme ça pour la pointe du pied. Et nous allons faire des diminutions de chaque côté des deux marqueurs que je viens de placer. De la même manière en fait que les modèles de chaussettes précédentes que j'ai réalisées. C'est-à-dire que avant le marqueur, il faudra tricoter les deux mailles par le brin arrière et les deux mailles suivantes ensemble à l'endroit. Et pour celui-ci, pareil. Alors, vous inquiétez pas, je vais vous montrer. Donc, j'ai placé le marqueur après la 9e maille. Donc, en comptant vers la gauche. Et là, pareil, en comptant vers la droite, vous placez le marqueur après la 9e maille. Voilà. En tout cas, si vous avez relevé 10 mailles de chaque côté, parce que si vous avez relevé 12 mailles de chaque côté, c'est différent. Mais vous allez voir les explications apparaître à l'écran, vous inquiétez pas. Là, j'explique que pour la taille normale et par rapport au fait que j'ai relevé 10 mailles, que ce soit bien clair entre nous. Donc, vous allez tricoter en jersey. Donc jersey en droit, vu que là c'est le côté en droit. N'oubliez pas que c'est toujours de l'aller-retour jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant le premier marqueur. Et là vous allez piquer par le brin arrière les 2 mailles, vous voyez comme ceci par derrière, que vous allez tricoter ensemble. Vous laissez passer le marqueur et les 2 mailles qui suivent, vous les tricotez par le brin avant. Donc normalement vous les tricotez ensemble à l'endroit, ce qui fait 2 mailles de moins. Ensuite, vous tricotez en jersey en droit jusqu'à atteindre 2 mailles avant le second marqueur. Voilà. Et là, vous allez faire pareil. Les 2 mailles avant le second marqueur, vous les piquez par le brin arrière, vous les tricotez. Ça fait une diminution. Vous passez le marqueur et les 2 mailles après, vous les tricotez ensemble à l'endroit. Et vous finissez de tricoter les autres mailles, hein, ben en jersey en droit. Voilà. Ensuite, vous tournez vos aiguilles et vous tricotez donc le deuxième rang en jersey envers, sans diminution ni quoi que ce soit. Donc voilà. Donc ces diminutions, il faut les faire au total 3 fois tous les 2 tours. Donc c'est 1 tour sur 2. C'est uniquement sur le côté endroit qu'il faut les réaliser, comme je viens de vous montrer, 3 fois au total. Donc là, en finissant ce rang que je tricote en jersey envers, on aura fait donc une fois. Donc il vous restera à faire la même chose 2 fois. Donc normalement, ça représente 6 tours, si je me trompe pas. Oui, normalement 6 tours, hein. Voilà. Et là, troisième tour, donc, notez bien sur le papier comment vous réalisez les diminutions. Vous entourez les rangs où il y a eu diminution pour ne pas vous tromper. Donc là, on tombe sur le côté endroit, donc il faut faire les diminutions, comme je vous ai montré. Voici ce que ça fait, les diminutions. Voilà, voici ce que ça donne. Donc là, normalement, il vous reste 3, 3, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mailles. 3 fois 6, 18. Donc oui, 18 mailles. Donc maintenant, nous allons faire des diminutions
sur les trois prochains rangs, donc une fois sur le côté droit, une fois sur le côté inverse et une fois sur le côté droit, pour diminuer au maximum le nombre de mailles. Donc sur le côté droit, nous allons faire exactement les mêmes types de diminution. Avant le premier marqueur, on prend les deux mailles qui restent avant, enfin par le bras arrière, pardon. Vous passez le marqueur et les deux mailles suivantes, vous les tricotez à l'endroit. Donc là, vous tricotez les mailles jusqu'à ce qu'il en reste deux avant le second marqueur. Vous prenez les deux mailles par le bras arrière, vous passez le marqueur et vous tricotez deux mailles, les deux mailles suivantes à l'endroit. Voilà. Vous tournez sur l'envers et sur le côté envers, on ne va pas se tracasser. On va tricoter avant et après chaque marqueur les mailles normalement par deux à l'envers. Comme ceci. Voilà. Et là, pareil. Comme ceci. Et là, vous tournez. Donc là, normalement, il reste 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10 mailles. Donc là, vous allez enlever les marqueurs. Donc il reste 10 mailles. Et là, sur les 10 dernières mailles, pour qu'il en reste 5, vous les tricotez toutes deux par deux. Comme ça, il restera 5 mailles. Voilà. Et là, votre pointe de pied est terminée. Là, il reste 5 mailles. Alors, ce que vous allez faire, vous allez laisser une bonne longueur de fil, couper et rentrer le fil dans les mailles qui restent pour serrer. Donc, ensuite, vous mettez une aiguille, comme ceci, hein. Vous prenez une aiguille, vous mettez la laine à l'intérieur et avec celle-ci, vous allez faire un point de couture le plus invisible que possible pour pouvoir faire la jointure à partir du bout du pied jusqu'en haut de la cheville. Et voilà le résultat final. Je viens de terminer donc la couture centrale que j'ai commencé du bout du pied en finissant donc par le haut au niveau de la cheville. Donc le point invisible, vous voyez, ça permet vraiment de faire une couture invisible hein, comme son nom l'indique. Et on a vraiment l'impression que les deux bords de la chaussette ont fusionné ensemble pour former une longue côte. On a vraiment l'impression qu'il n'y a pas de couture et franchement, quand on met les chaussettes, on a l'impression que c'est vraiment du tricot en rond avec 3 ou 4 aiguilles. Donc voilà, ben voici le résultat, hein. Les chaussettes sont vraiment douces et confortables. Hein. En plus, c'est de la laine naturelle, je peux vous dire que j'ai pas froid. Il me fallait en plus une bonne paire de chaussettes pour traîner un peu à la maison. Et donc, par la même occasion, ben, non seulement j'ai fait quelque chose de bien et d'utile pour moi, mais en plus de ça, par la même occasion, vous voyez, j'ai pu faire pour vous donc une vidéo tutoriel donc très utilitaire pour tous les abonnés. Et je pense proposer ce modèle à la vente aussi pour les gens qui seraient susceptibles d'être intéressés. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce modèle vous aura plu et il me tarde de voir vos impressions et vos commentaires dans la partie commentaires de la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez voir les dernières nouveautés en matière de posts et de vidéos. Et vous pouvez aussi mettre un avis sur ma boutique en ligne et vous abonner à la newsletter et vous recevrez dès votre première commande sur n'importe quel produit de la boutique. Autant les modèles téléchargeables que les produits matériels, une remise de moins 10%. Et c'est uniquement sur votre première commande. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour. À bientôt. Bisous, bisous.